Monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hello, bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Mademoiselle. Bonsoir. On est chaud. Je peux le faire dans l'autre sens aussi. Alors attention. Bienvenue à vous qui êtes chez vous, tranquillement installés, avec à boire et à manger. Nous allons recevoir, mesdames, messieurs, immédiatement. Alors, il n'y a pas d'énigme aujourd'hui, il y aura un télécrochet en fin d'émission. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez vous inscrire au télécrochet et participer avec nous à ce jeu épatant, vous faites le 42-48-16-16, 42-48-16-16, voilà, la rubrique TF1, coucou, etc. Et vous laissez vos coordonnées et nous ferons ensemble un télécrochet. Nous allons recevoir, mesdames, messieurs, un des plus grands joueurs de foot du monde. Voici Eric Cantona, accueil. Mesdames, messieurs, Eric Cantona, s'il vous plaît, un accueil très chaleureux. Ah, il a l'habitude, hein. Ah, c'est l'habitude. Bon, on va pas exagérer. Voilà, donc nous sommes jeudi 30 décembre aujourd'hui, c'est ça. Bon, Eric, nous sommes évidemment, c'est la première fois depuis que Coucou existe qu'on a l'occasion de se rencontrer. On s'était rencontrés il y a quelques années, nous étions, vous et moi, beaucoup plus jeunes. C'était il y a 5-6 ans, c'est le début de C'est le Monde Mardi, c'est ça? Ouais, c'est ça, hein. Une des premières émissions. Et alors, c'est dingue parce que, bon, je vous vois souvent à la télé, je vous vois même sur les stades et tout, et alors je vous voyais pas si grand, disons. Je vous voyais pas si petit. Oui, ça, c'est ce qu'on, ça, c'est ce qu'on me dit tout le temps, hein. Boum, attention. Mesdames, messieurs, nous allons nous installer avec Eric Cantona, nous allons rejoindre Sophie Bramy et Patrice Carmouze. C'est parti. Vous voyez pas si petit, vous voyez pas si petit, dis donc. Alors, donnez-moi votre micro, je vais le ranger. Vous voyez pas si petit, viens voir. J'ai de la chance d'être balèze. Hein. Bon, alors, Eric, je vous présente Sophie Bramy. Bonsoir. Eric, nous allons parler de votre actualité d'ici quelques. Et Patrice Carmouze, évidemment. Bonsoir, vous avez écrit un bouquin, et ça tombe, alors là, pour le coup, ça tombe très très bien, qui est paru chez Robert Laffont, on en parlera tout à l'heure, mais qui s'appelle Un rêve modeste et fou. Le voici. Et Sophie Bramy, figurez-vous, est la personne dans cette équipe qui s'occupe d'examiner, d'expliquer et de d'analyser, je cherchais le mot, les rêves. Donc, vous faites partie des gens qui rêvaient. Vous rêvez beaucoup. Beaucoup, mais ça m'intéresse. J'essaie de les analyser moi-même, mais bon, c'est, j'aime pas. C'est dur. Par exemple, le dernier que vous ayez fait, ce matin. Qu'est-ce que je fais? Un que je fais souvent, en tous les cas, c'est je pars en avion et puis il y a un feu rouge, quelque part. Il y a un feu rouge? Ouais. Et l'avion s'arrête? C'est intéressant. Ouais. Remarque, vert je passe, rouge je m'arrête. Hein. C'est un pilote qui connaît le code de la route déjà. Ouais. Bah oui, ça c'est dans votre vie, peut-être qu'il y a. Non, c'est un besoin de voyage et puis bah, on ne peut pas toujours voyager comme vous avez permis, sinon voilà, ouais. Moi je l'ai analysé comme ça. Quoi. Oui, et vous pouvez aussi dire que de temps en temps il doit y avoir des arrêts. Il faut de temps en temps vous arrêter parce que vous pouvez aller. Ça c'est un feu rouge. Ouais, ou alors je voudrais continuer puis ça s'arrête. Voilà, parce que l'avion va très vite en général. Ah, mais lui c'est le contraire, il voudrait aller plus loin mais ça s'arrête. Ça n'a rien à voir avec le carton rouge, non? Il va trop vite. Un petit peu trop vite, peut-être. Pardon? Ça n'a rien à voir avec un carton rouge, feu rouge, non. Non, pourquoi? Non, je pense pas, je pense pas. Non. Rêve qu'il est hors jeu, qu'il est. Oui, oui. Non, bon. Oh, bah, écoutez, Eric, quand on apprend l'avion, il y a un feu rouge. Bon, voilà. Ça vous embête le feu rouge? Ouais, plutôt. Ouais. Ouais. Mais il y a bien des moments, Christophe, où dans la vie, il faut s'arrêter. Et voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est peut-être ce que vous refusez aussi de voir. Donc voilà, on vous le dit en rêve pour vous dire attention, Eric, il faut s'arrêter. Voilà. Et il va trop loin. Et il va un peu trop vite, peut-être. Voilà. Oui. Enfin bon. Ça vous satisfait comme réponse? Ouais. Bon. Ah. J'aime beaucoup. On va prendre un premier rêve également. Allons-y, bonsoir. Quel est votre prénom? Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Vive le foot! Vive le foot, madame. Quel est votre prénom? Je m'appelle Paulette. Vive le foot, Paulette. Bonsoir, Paulette. Oui. Bonne fête, éventuellement. Paulette. Oui, c'est Paulette. Oui. D'où nous appelez-vous, Paulette? De Trouville-en-Barrois. Trouville-en-Barrois. De la Meuse. Dans la Meuse? Oui. Quel âge avez-vous, Paulette? Pardonnez-moi. 62 ans. 62 ans. Paulette, nous vous écoutons. Bon. Alors, je rêve souvent le même rêve. Oui. Je veux partir me promener en vélo. Oui. Et dans mon rêve, je pars, je me retrouve sur un bâton, sur un balai. Je m'envole dans les airs. Vous vous envolez avec? Je m'envole, oui, je vole dans les airs avec ce satané bâton. Hein? Oui. Quand je veux redescendre, je ne peux pas. Il y a plein de des gros tas de serpents qui sont là. Oh là! Des gros tas de serpents tout autour. J'arrive pas à descendre. Et là, vous mettez les gaz. Vous balayez. Oui.
Paulette... Vous n'avez jamais, excusez-moi, oui, vous n'avez jamais eu des... Vous n'avez pas des mauvais souvenirs d'enfance avec les sorcières, dans les... tout ça? J'ai eu des trucs de sorcières dans ma jeunesse. Mmh. Ah. J'ai vécu avec des sorcières. Vous avez vécu avec des sorcières? Ah ouais. Là, il y a du boulot. Là, il y a du boulot, oui. Il y a une piste. Il y a une piste. Bon. Allô? Oui, oui, on est là. Bah, j'allais dire sorcière. Paulette, on est là. On réfléchit. Est-ce que vous avez une personnalité plutôt rêveuse, Paulette? Parce que pour moi, il y a une espèce de... comme une fuite en avant un peu dans ce rêve. Et vous aimeriez bien résoudre les problèmes de la vie par un petit coup de baguette magique. Oui. Alors, il y a du dynamisme. Hein, oui. On sent qu'il y a de l'allant. Mais c'est peut-être... Vous voyez, les serpents vous ramènent à certaines réalités d'un monde un peu froid, un peu mystérieux, parce que le serpent, c'est assez froid. Vous avez peur des serpents, Paulette? Oh là là, ouh, ouh. Donc c'est des dangers, si vous voulez. Oh là là, les serpents, ça symbolise... Paulette, les serpents dans les rêves, c'est aussi l'inconscient, tout ce qui est dans l'ombre, mystérieux. Et donc le serpent étant un animal à sang froid, c'est... Et le balai. Le froid. Mais justement, elle se voit un petit peu comme une sorcière, elle a envie de résoudre ça. Comme non, ça, non, parce qu'elle peu... voit les serpents. Vous êtes d'abord en voyage. Voilà. Oui, je suis sur le... Parce qu'elle part en avant. Attends. Je suis en l'air et puis quand je veux... Bon, ben, j'essaye de redescendre, j'essaye de revenir sur Terre. Mais il y a ces satanés tas de serpents là, qui m'empêchent de... Ouais. De passer et puis il monte en l'air pour me piquer. Voilà. Oh, il attaque. Oh là 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 là. Et il vous attaque comme ça. Oui. Oh là là, c'est des serpents à sonnette. Oh, non, c'est pas des serpents à sonnette, c'est des drôles de bestioles. Des langues de vipères. Remarque, le serpent à sonnette, claque, ça réveille. Oui, oui. Et quand je me réveille... C'est le réveil, oui. C'est le réveil. C'est hein. Quand je me réveille, je dis, tiens, Paulette, t'as encore fait le même rêve. Ah oui. Ah, ouais. Voilà. Est-ce que, ouais. Paulette, alors vous êtes peut-être assez rêveuse, est-ce que vous avez des angoisses? Est-ce que vous avez une nature quand même assez angoissée? À vouloir aller vite et à vouloir être, et à être un peu angoissée. Oui. Parce que ces serpents, c'est ça, c'est vos angoisses. Alors vous voulez bien les survoler. Vous voulez bien les voir de haut, mais vous ne voulez pas les voir de près. Alors, quand il s'agit d'atterrir, et quand il s'agit vraiment d'être dans la réalité... Oui, mais c'est les serpents qui l'en empêchent. Oui, les serpents, là, mais c'est ses peurs, Christophe, justement. Comme... Ce sont ses peurs. Mais bien sûr. En fait, comme ça lui fait peur d'être en contact avec la réalité, elle visualise des serpents qui la mordent, et comme ça, elle se trouve un petit peu paralysée. Ce sont ses angoisses qui la paralysent. Solution, alors. Ah, oui, d'accord. Ah, solution, si... ne pas être paralysée, ne pas voir les choses de trop haut, ne pas fuir trop. Mais elle peut quand même de temps en temps faire un petit tour sur son balai. Ouais. Mais les choses ne se résolvent pas d'un coup de baguette magique, justement. On n'est pas une sorcière au Moyen-Âge. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle se voit un peu en caricature de sorcière, quoi. Bon, donc, alors la solution pour elle, c'est de se dire... D'être bien en contact avec la réalité, de ne pas s'angoisser inutilement... Et même si les choses sont parfois difficiles, il faut y aller. Il faut y aller, il faut y aller concrètement et se dire qu'il n'y a pas de serpent, c'est pas, on n'est pas dans une... Une fois, je suis allée à la fête, une grande fête. Où ça? J'étais avec mes enfants. Où était-ce, Paulette? Comment? Où c'était, Paulette? À Ligny-en-Barrois. Près de chez vous, donc? 5 kilomètres. À peu près. Et avec mon mari et mes petits-enfants, j'étais partie voir une dame qui montrait des serpents dans l'eau. Oui. Hein? Elle écrivait dans l'eau, elle avait le serpent autour d'elle. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le serpent s'est jeté sur moi. Ah oui. Donc, hein? Peut-être aussi... Attends, allez-y, Paulette. Il s'est jeté sur moi. Je n'ai eu que le temps de me baisser. Elle l'a rattrapé. Et il s'est entortillé autour d'elle. Alors, je n'étais pas trop tranquille. Elle a fait sortir tout le monde. Et je l'ai regardé un peu plus loin. Elle m'a fait... Ouh, je suis là. Et mes enfants s'en rappellent encore. Elle vous a fait ça comme ça? Oh là, c'est... Je ne peux plus voir... Excusez-moi, Paulette, qu'est-ce qu'elle vous a fait, vraiment, là, quand vous étiez un peu plus loin? Elle vous a fait quoi? Elle m'a fait signe que le serpent ne lui avait rien fait. Ah, elle vous a dit, ouh, je suis là, genre, je suis vivante. Oui, elle m'a dit, je suis vivante, j'ai rien. Elle a été carrément traumatisée, Paulette, par ce serpent. Traumatisée, et puis, comme elle a été traumatisée par cette image, elle a choisi ça dans son rêve. Oui, mais c'est un vrai traumatisme réel. Par les balais, elle n'a jamais été traumatisée. C'est terrible, terrible. Vous n'avez jamais été attaquée par un balai. Par un balai. Par un vélo, ça commence par un vélo. J'ai reçu des coups de balai. Aussi. Ah, mais c'est d'autres traumatismes. Oh là là. Ah, voilà. Qui vous a donné des coups de balai? Ah, mon Dieu, si je voulais raconter ma vie. Bah, allez-y, Paulette. Ah, mon Dieu. Non, non, alors voilà, Paulette, oui, petite fille, visiblement. Vous étiez enfant, vous avez pris des coups de balai? Oui. Au secours, voilà. Ben oui. Elle a pris des coups de balai quand elle était enfant. Question, et elle, bien a pris sûr. Elle s'est fait attaquer par un serpent. Le serpent, et voilà. Donc, traumatisme. C'est rien. Alors... C'est grave, mais c'est rien. Bah, je veux dire, non, ce qu'il faut dire, Christophe, c'est très important. Mais non, c'est pas grave, Paulette. Non, c'est très important. Le rêve aussi a une fonction de nettoyage.
Donc, oui. Oui, absolument. Maintenant que vous avez rêvé à ça, vous allez me faire le plaisir d'éliminer ces deux folies. De cette peur, justement. Voilà. Elle veut s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Voilà. Vous avez eu deux traumatismes qui expliquent vos rêves. Mm-hmm. Vous avez eu les coups de bâton, vous ont été désagréables. Et l'attaque du serpent, vous avez eu très peur. Maintenant, c'est expliqué, c'est fini. Vous ne ferez plus jamais ce rêve-là. Bon, bah, tant mieux. Vous n'avez qu'à penser à Eric Cantona ou à moi-même. Si Eric, je regarde quand il joue au foot. Eh ben tiens. Vous avez bien raison. Je le regarde. Paulette, on vous embrasse bien fort. On est certain que vous allez être tranquille maintenant. Et moi, pareillement, je vous embrasse tous. Faites de beaux rêves. Au revoir, Paulette. Allez, au revoir et merci. Au revoir, applaudissements pour elle. Nous envoyons la publicité immédiatement et on se retrouve tout de suite après avec Eric Cantona, Patrice. Merci beaucoup, Sophie. À tout de suite. Nous voici le retour, mesdames, messieurs. Nous voici le retour donc sur le 102 de la Maison de la Radio. Pour cette deuxième partie de l'émission, n'est-ce pas, troisième partie. Deuxième partie. Je suis avec Eric Cantona qui nous fait le plaisir d'être là. Eric, permettez-moi de vous présenter notre camarade Muriel. Enchantée. Qui doit être normalement très contente d'être là parce que. Mais plus que contente, je crois. Même. Normalement. Hein. Normalement, plus que contente. On ne voudrait pas. Non, on ne voudrait pas cafeter, mais enfin, elle a tout fait. Je ne crois pas. Elle a tout fait pour être dans cette émission. Ah ouais. Alors que d'habitude, bon, pour bosser, bon. Là, non. Si on peut attendre 2-3 jours, il n'y a pas de problème. Mais là, non, j'ai un truc super là ce soir. Ah oui. C'est quand, Cantona? Ben, c'est là, c'est telle date. Ah oui, ben oui, là, je serai prête. Oui. Elle voulait faire que ça, même. Très énervé, très, très énervé. C'est même agaçant pour nous, hein. Parce que... Voilà. C'est horrible, vous m'aviez promis de rien dire. Ben voilà, ben, dites bonjour. Ben, bonjour. Un petit bisou, je sais pas. Elle m'a même demandé si elle pourrait vous embrasser. Un petit bisou. Waouh. Épique, hein? Épique. Ouais, j'aime bien. Épique un peu. Alors, Muriel. Alors, donc Eric, on savait que vous étiez peintre, écrivain, que vous étiez même mannequin. Saviez-vous aussi que vous étiez un acteur de théâtre? Mais un grand acteur de théâtre, un acteur digne de Shakespeare, des plus grands. Non. Pourquoi, Muriel? Bon, en fait, tous les footballeurs sont en fait des grands acteurs de théâtre. Parce qu'on a l'impression que c'est quoi un match de foot? On a l'impression que c'est 22 petits bonhommes qui tapent dans une balle. Et en fait, il se passe des choses extraordinaires. C'est une véritable dramaturgie en deux actes. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Et le point culminant de l'intensité, ça, il savait, hein, déjà. C'est quand... Ah, mon, oui, là, à mon avis, vous ne lui apprenez rien. Là. Et c'est même des actes de 45 minutes. Hein. 45 minutes. Et le point culminant de l'intensité, c'est au moment où un but vient d'être marqué. Alors là, il se passe une chose absolument extraordinaire sur le terrain. C'est un vrai... C'est une pièce de théâtre, mais c'est avec une intensité dramatique, presque tragique. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des gestes de victoire. Alors, ces gestes de victoire... veulent dire des choses. Absolument. Et on peut les décomposer, on va essayer de les décomposer en plusieurs parties. Et on va elle voir... Elle est très, très énervée, parce que d'habitude, ça se passe très... Ouais. Ça coule comme ça tout seul, ça discute et tout, mais alors là, oh là là... Elle vient, elle arrive. Ouais. Ouais. Bah, ce que je voulais dire, c'est qu'on assiste à un déploiement insensé d'émotions, de sentiments, de attachements corporels, de gestes. Et on va essayer de décomposer un peu... comment se passent donc les gestes de victoire? Alors, la première partie, on peut regarder tout de suite des images. C'est au moment juste où le but vient d'être marqué. Ah. Et alors là, le buteur, il se surélève tout le temps. Vous voyez, il surélève. C'est comme si lui-même, il n'avait pas... Il s'apercevait... C'est son corps qui sait qu'il a marqué un but. Mais lui, voilà, tout de suite... Et le doigt, ça veut dire quoi? Le doigt en l'air, c'est vraiment... en même temps, il anticipe souvent les... C'est moi, monsieur. C'est moi, c'est pareil que c'est ça. C'est vrai? Ouais. Ah. C'est comme à l'école. C'est ça. C'est pas le copain, c'est moi. Des fois qu'on n'est pas bien vu. Mais c'est vraiment l'instinct de la victoire. C'est-à-dire que le mais on vous entend, Muriel, ne vous énervez pas. Nous sommes là. Comme si le cerveau, il n'avait pas pris conscience encore que le but venait d'être marqué. C'est la victoire animale. C'est une manifestation animale. Comme le cygne qui bat l'autre et qui bat des ailes et tout ça pour montrer que c'est lui le roi et tout ça. Voilà. Vous êtes un cygne. Ouais. Alors, non, mais je crois... Ouais, c'est ça. Si, c'est ça. Ouais. Attendez, pourquoi? Il a peut-être... Bah, c'est aussi valable que c'est moi, monsieur, c'est moi, monsieur. Non, c'est vrai que là, il est tout seul avec sa joie. C'est plus mature. Il est tout seul avec sa joie. Le deuxième stade, si je puis dire... C'est-à-dire que c'est ça, il veut prouver que c'est lui, quoi. Ouais. Le deuxième stade, là, il va prendre... Alors, on va voir aussi des images. Il va prendre possession du terrain. En fait, si c'était un animal ou un chat, on pense que carrément... Là, voilà, il danse, c'est sautillant, il frétille. Et s'il pouvait... On voit, ils courent tout le temps, ils sont là, ils sont super énervés. Et on a l'impression que si c'était des animaux, ils feraient pipi autour du terrain, quoi, pour bien marquer le territoire, bien dire que c'est eux les vainqueurs. Et que, donc, voilà, ils sautent tout le temps, ils surélèvent. Regardez la danse, là, c'est incroyable.
Ils font des trucs insensés. Ils prennent possession du terrain. Voilà, c'est la mise en scène de la victoire. Première partie, c'était... Celle-là, elle est belle. Ouais, celle-là, elle est belle, ouais. Attends de dire, c'est pas fini. Et voilà, regardez ce geste insensé de la main. C'est... Ah oui, c'est quoi, viendez. Ouais, voilà, exactement. Ça, c'est au spectateur que ça s'adresse, hein. C'est au public ou c'est à public? Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que là, on est ailleurs, quoi. Ouais, on est vraiment, on est plus là. Quoi. On fait des gestes, on en a même pas conscience. Quoi. Et vous n'avez pas le sentiment qu'il y a eu une évolution quand même dans les années, avec les années, des gestes et des expressions corporelles, extérieures? Ouais, là, en Angleterre, spécialement, il y a des attitudes, des célébrations qui sont... Vous voyez, les mecs s'arrêtent, ils font des pauses, ils sont à deux, ils se tirent dessus. Ouais. Vous n'avez jamais vu ça? Surtout les blacks. Ils sont très... Les Anglais, on pourrait penser qu'ils sont moins expansifs. Ah non. Mais c'est pas vrai. Hein. Non, les blacks anglais d'origine jamaïcaine et tout, ils sont très expansifs. Ah ouais. Mais c'est beau, quoi. Ça se donne encore plus de. Alors, le troisième stade, c'est celui que je préfère. C'est le moment où le footballeur, donc, voit tous les lances de son équipe, les joueurs de son équipe, converger vers lui. Alors, on va voir. Et alors là, c'est assez drôle parce que. Donc, c'est vraiment l'étreinte amoureuse, quoi. C'est vraiment. Il se serre, il se touche. Regardez, allez, viens. Ils se prennent. Parce qu'il m'avait fait une belle passe. Ils se touchent. Oui, on partage, bien sûr. Et celui-là, il avait fait quoi, celui-là? Il se touche les cheveux, il se touche les bras, il se touche les fesses, il se touche... Ça suffit, Muriel, ça suffit. Mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Vous n'avez pas... Regardez. Ouais. Vraiment, c'est vrai, ils s'entassent, ils se grimpent dessus. C'est vrai que c'est... Regardez, ils sont tous... ils ne pensent qu'à une chose. C'est vrai qu'à regarder comme ça, à froid, c'est pas pareil. Ça fait un rôle d'effet. Oui, quand on n'a pas vu le but. En plus. Allez. Regardez. Voilà. En fait, c'est comme si les joueurs... Et bravo aussi pour ce qu'il y a avant, quand même. Pour le but ? Oui. Oui, bah oui, évidemment. En fait, c'est comme si tout se passe comme si les joueurs ne voulaient plus faire qu'un. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand même une équipe. Il y en a un qui a eu une sensation insensée en marquant le but. Mais là, il faut que le fluide, il passe entre tous. Donc, il faut qu'ils se touchent, absolument. Ah, mais il y a des mecs qui poussent les autres. Alors, on va y venir. Ah, ils veulent pas. On va y venir. Ah, ouais, et égoïste. D'ailleurs, monsieur est très... C'est l'égoïste. Très coutumier de lui. Celui qui prend, qui touche, là, c'est il partage peut-être le bonheur. Il partage le truc. Celui qui repousse, il est égoïste. Pas égoïste, ouais, non, pas forcément. Solo. Il veut dire que c'est lui. Un peu solo, ouais, je crois. C'est vrai que ce qu'on vient de voir, Perso, oui. Pardon, Muriel. C'est vrai que ce qu'on vient de voir... Ça témoigne d'une très grande intimité corporelle. Et dans des conditions autres sociales, ça paraîtrait pour des signes presque efféminés. Or, enfin, c'est vrai, on pourrait les interpréter d'une autre façon. Et en fait, c'est un lieu tellement... un théâtre où les choses sont tellement viriles... Non, je crois que les victoires de garçons, que ce soit au football, que ce soit, je sais pas, j'imagine... Mais c'est vrai qu'au rugby, c'est moins démonstratif, par exemple. Au rugby, ça attrape moins. Oui. Ouais, mais il y a plus de points aussi. C'est comme vrai qu'il faisait. Chaque fois, ils font une célébration comme ça. Ils n'arrêteraient pas. C'est des matchs de 4 heures. C'est vrai. Alors, on va regarder d'autres images, parce que je voudrais faire quand même une réserve en ce qui concerne Eric Cantona. Parce qu'on a l'impression que lui, il est moins disposé. Regardez, là, il le pousse. Allez, il est moins disposé à s'essayer de tripoter. Regardez, il y en a un qui va aller vers lui, hop, il dévie, il passe de l'autre côté. Vous savez pourquoi? Regardez, là, c'est très drôle, regardez. Non, il ne veut pas. Ne me touchez pas. Va nous le dire. Là, il court. Non, mais arrêtez. Regardez, c'est très drôle. Mais arrêtez. Il n'en peut plus. Donc voilà, on a l'impression que vous n'êtes pas vraiment enclin à vous laisser toucher et tripoter. Ouais, mais le premier coup, c'était après, un match de Montpellier, après que j'ai eu une histoire avec le président Nicolet, les trucs, et puis le public m'avait beaucoup défendu, quoi. C'est un peu comme ça que j'étais revenu, et dans mon match de rentrée, comme ça, je marque un beau but, quoi. On n'a pas vu le but, mais c'est pour ça que je repousse un peu tout le monde, parce qu'il y avait des joueurs qui avaient signé des pétitions contre moi, des trucs comme ça, quoi. Et je voulais partager uniquement avec les spectateurs. Ça corrobore bien ce qu'on disait avant, c'est que se toucher, c'est pour vraiment faire placer une joie. Et là, visiblement, il avait envie de partager ça avec le public. Alors, moi, en voyant ces images, je me suis dit que. Alors, on va faire une petite excursion dans un autre sport. Une petite excursion. Pas de problème.
dans un autre sport qui est le sport automobile. Je me disais peut-être que vous préfériez, vous préfériez ce genre de manifestation de victoire. Alors, qu'est-ce qu'ils font les... On va voir aussi des images. Qu'est-ce qu'ils font? On leur donne une bouteille de champagne, leur font une bouteille de champagne. Ils mettent le pouce sur le... Ils font monter la pression. Et quand ils lâchent le pouce, c'est, ils, sous la pression, sort une espèce, un liquide blanc et mousseux qui va gicler sur les... Voilà. Et ça, c'est... Il n'y a pas besoin de préciser, oui, à quoi ça... Mais vous êtes malade ou quoi? Non, c'est... Mais je vous assure, je n'ai pas inventé. J'ai lu véritablement dans une analyse sociologique du sport que c'est évident, c'est l'interprétation de la bouteille de champagne pour les coureurs, les champions automobiles. Je ne sais pas, ouais. Vous qui... Non. Mais je n'ai pas la chance d'ouvrir souvent le champagne, c'est ça le problème. Eric? Non, je dis que c'est proche de la jouissance. Quoi. Ah ouais? Non, vraiment. Ouais. Des fois, c'est pire, ça dépend des femmes avec lesquelles on est. Alors, ce que je voulais dire, en fait, c'est que dans sa manifestation de victoire, Eric Cantona est pas vraiment, et le moins, est pas hypocrite, parce que lui, on a remarqué en regardant toutes les images que son premier geste spontané, c'est d'aller vers la foule, de s'accrocher au grillage. On va voir des images aussi. Et c'est comme si, en fait, lui, la véritable personne avec qui il veut faire partager son triomphe, c'est la foule. C'est comme si les supporters devenaient presque une entité féminine, et c'est avec eux qu'il veut communier. Oui, parce qu'il y en a un qui arrive, là, visiblement, ouais, ils s'en foutent. Et c'est vraiment avec eux qu'il veut communier. Il y a c'est comme une sorte de contrat d'émotion avec le public, une symbiose affective. Et j'ai relevé une phrase qui vous a rendu un peu plus ou moins... Enfin, dont on a beaucoup entendu parler. On va faire la phrase juste après. Oui, tout à fait. C'est beaucoup d'exercices, hein, cela dit, en plus, à chaque fois. Oui, c'est un entraînement. C'est un bon entraînement, oui. Mais c'est vrai, le véritable amour de Cantona, j'ai l'impression que là, c'est la foule. C'est important pour vous, le public. Oui, c'est un moteur fantastique, j'imagine, le public, évidemment. Ouais. Alors, justement, il s'est fait connaître avec cette phrase merveilleuse qui dit « I love you, I don't know why, but I love you ». C'est ce que vous avez dit à la foule. Voilà, alors moi, ce que je voulais vous dire, c'est que... Si la foule en transe et en délire ne sait pas pourquoi, enfin, si vous ne savez pas pourquoi elle vous l'aimez. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est une déclaration là, ouais. Oh le bordel. Ouais, Oh là là. Non, c'est parce que je suis très intimidée par ce que je dis. On n'avait pas vu du tout, non. Les gens hurlent depuis une heure, ça. Ce que je veux dire, c'est que nous, on sait pourquoi on vous aime, voilà. Restez avec nous 2 minutes, détendez-vous là. Restez là. Bon, Eric, peut-être pouvoir lui dédicacer le livre. Je pense que Eric va vous dédicacer son livre, qui s'appelle donc Un rêve modeste et fou, paru chez Robert Laffont. J'en ai dit quelques mots il y a quelques minutes, mais on n'a rien dit à propos du livre. La première chose, c'est pourquoi... Ça fait combien de temps que vous jouez au football maintenant? Professionnel? J'ai signé mon premier contrat professionnel, j'avais 19 ans, presque 20 ans. Ouais. Bon, ce qui nous donne... Ça fait 7 ans, quoi. J'ai 27 ans. Ça fait 7 ans. Vous avez donc attendu 10 ans de passion pour le football avant d'écrire un bouquin. Qu'est-ce que vous avez ressenti comme besoin pour écrire ce livre? Ce que vous racontez dedans, c'est... Bon, j'ai eu une carrière un peu agitée, quoi. Moins qu'on puisse dire. Oui. Donc, c'était un peu confus dans ma tête et j'ai prouvé le besoin de le mettre au clair, quoi, au départ. Et puis, bon, je me suis dit que c'était pas mal et puis on en a fait un livre, quoi. Mais au départ, c'était ça. Pourquoi est-ce que c'est une carrière... Parce que, bon, il y a eu beaucoup de changements. J'ai rencontré beaucoup de gens avec lesquels je m'entendais plus ou moins bien. Est-ce que c'est voilà, une qualité d'ouvrir sa gueule, comme on dit, quand on pense les choses? Vous faites partie des gens sincères, vous? Je sais pas ça. Mais en tous les cas, il y a des gens... Pas sincères? Ouais, bon, je vais pas vous dire, j'en sais rien, quoi. En tous les cas, on rencontre des gens, on ne sait pas si nous, on est bien, si eux, ils sont pas bien, quoi. Moi, je prétends pas détenir la vérité sur quoi que ce soit. En tous les cas, il y a des gens avec lesquels je m'entends plus ou moins bien. Moi, ce que j'aime le plus, c'est mon sport, quoi. Et j'aime les gens qui défendent mon sport, et j'aime les gens qui font... tout ce qu'ils peuvent faire, qui donnent tout que vous êtes de leur personne pour ce sport. Quoi. C'est-à-dire que vous êtes pour autre chose, pas pour des magouilles, des trucs comme ça, et qui nous tirent après dans le dos à nous. Quoi. Nous qui aimons ça, nous qui jouons depuis que nous avons 4 ans. Quoi. Vous aviez conscience que vous seriez, quand vous aviez 14-15 ans, vous seriez un grand footballeur ou pas? On le sait, ça? Toujours, oui. Je ne sais pas, mais en tous les cas, ça a toujours été quelque part dans tout ce qu'on fait. Quoi. Il faut se dire ça à un moment donné. Quoi. Ouais, quand je rentre sur internet, je me dis que je suis le meilleur joueur du monde. Je ne sais pas si je le suis, mais ça motive. Ça me transcende, ça me met en confiance surtout. Hein. Ouais. Et je suis arrivé à me persuader, quoi. Mais je ne le suis pas. Mais... Est-ce que vous êtes plus heureux depuis que vous êtes en Angleterre? Je vais l'air plus heureux depuis que vous jouez en Angleterre. Oui, plus, parce que... Plus calme, plus tranquille, quoi. Ouais, parce que tous les gens qui sont au sein du club, tous les gens qui dirigent le football en Angleterre sont là pour défendre notre sport, quoi.
le football. Quoi. Vous êtes malheureux de voir ce qui s'est passé avec le football tous ces derniers mois et toute cette année dernière? Non, c'est dommage. Il y a plein de gens qui sont venus dans le football qui, à mon avis, bon, ils ont fait de bonnes choses, mais ce qu'ils ont fait de mauvais était vraiment trop mauvais quoi, pour le foot, quoi, je crois. Voilà. Bon, parce qu'à l'origine, c'est un jeu, quoi. Et puis, oui, il faut que ça reste un jeu, il ne faut pas que le reste prenne le dessus sur le jeu. Il faut que le reste existe, quoi, mais il ne faut pas que ça prenne le dessus. Et vous avez conscience qu'il existe des trucs dans le foot qui vous gênent vraiment, que vous avez du mal à vivre en tant que professionnel, etc. ou pas ? Gêne la certitude. Ouais. Ouais. Ouais, ça me gêne. En tous les cas, à un moment donné, ouais, ici, j'ai dit j'arrête et puis voilà, quoi, j'arrêtais. Si je n'avais pas eu des propositions d'Angleterre, je ne serais jamais allé en Angleterre. Ouais, à un moment, et puis, j'aurais arrêté. Fini, quoi. Ouais, mais c'était fini. Quoi. Ici, c'est fini, c'est la vie. Quoi. Ah oui, c'est fini vraiment. Ouais, ici et ailleurs, il y a vraiment. Ouais, de toute façon, le football a été inventé en Angleterre et puis on dit que les Anglais ont 30 ans de retard sur la. Mais en fait, ils ont une avance depuis des années, depuis des dizaines d'années qu'on n'est jamais arrivé à. Parce que le jeu, c'est. Mais le football, c'est le sport national quand même en France. Ouais, c'est le sport national quand on joue dans la rue, quand les gamins jouent dans la rue, les professionnels, quand ils font de bons matchs. Ouais, mais. Maintenant, c'est facile. Si vous voulez avoir une ville, vous allez, vous mettez président de la ville, et puis si vous gagnez pas, vous achetez les matchs, et puis vous gagnez, puis vous êtes président, et puis vous risquez d'être député ou maire d'une ville. Quoi, c'est très facile maintenant. Ah, c'est bon à savoir. Hein. C'est bon à savoir. Quel est votre coup préféré? Moi, si on vous compare à Nastase au tennis, moi, c'est quand je vous vois jouer au foot. Je me dis toujours ça. Je me dis, oh là là, c'est vraiment. Nastase avait un coup inexplicable que personne n'avait. Hein. C'est une espèce de génie du tennis, comme ça, au toucher. Et c'est le sentiment qu'on prend. Il y a du don, quoi. Ouais. Quel est le coup que vous. D'abord, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vraiment ce don en vous ou est-ce que vous l'avez appris en travaillant comme. Non, à l'origine, on a un don. Comme un acteur devient un grand acteur, à l'origine, il a un don, mais après, il faut du travail, quoi. Toujours du travail. Et après, continuer à travailler, quoi. Parce qu'il y a souvent des jeunes joueurs doués. Qui dans les centres de formation travaillent sérieusement jusqu'à ce qu'ils deviennent professionnels, jusqu'à ce qu'ils fassent 30 bons matchs. Quoi. Et puis dès qu'on parle d'eux, la célébrité, les machines comme ça, ils oublient le travail, ils se croient. Et puis vous continuez à travailler ça, comme un fou. Moi, je continue à travailler, j'espère qu'on continue à progresser. Quoi. C'est quoi votre coup préféré au football? Je sais pas, un coup de tête, un coup de pied, un pénalty, un coup franc. Non, ce qui m'apporte du plaisir, quoi. C'est jamais le même geste, c'est vraiment ce qui m'apporte le truc où on se sent léger. Quoi. Voler à peine, toucher le sol, là, c'est bon. Quoi. Un rêve modeste et fou, pourquoi avoir. Ce titre, c'est Le rêve modeste et fou. Modeste et fou parce que le football, c'est qu'un jeu, c'est en fait un rêve modeste, quoi, et fou parce qu'à un moment, il est devenu complètement fou, quoi. Mm-hmm. Voilà, quoi. Et là, vous vous sentez comment dans votre vie? Moi, je suis en train de vivre un rêve modeste, quoi. Mm-hmm. Là, en ce moment. Mais après avoir vécu un rêve un peu trop fou. Ouais, d'accord. Enfin, il est plus calme. Oui, oui. Vous avez l'air bien, hein. Vous avez l'air bien dans votre tête et dans votre peau et tout ça. Ouais. 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 Non, mais toujours, je sais pas. Ouais. Vous êtes à Manchester. Ouais. Non, je sais pas. Ah, vous avez l'air bien en tout cas. Voilà. Ouais, je vieillis. Oui, bon, ça va. Quel âge vous avez? 27 ans. Oh, 27 ans, je vieillis. 27 jusqu'à quel âge? Un coup de vous douleur, vraiment. Hein. Jusqu'à 32 ans, quoi. Mais on est parti à 15 ans de chez nous. Et quoi, après, on est vraiment une merde, quoi. Un vieux truc, ça. Ouais. Au-dessus de 32 ans, c'est non, ça. Non, mais on apprend toujours, quoi. Il y a ceux qui apprennent plus ou moins vite, quoi. Ouais. Bon, Patrick, alors, la deuxième actualité, ce sont les t-shirts. Oui, c'est ce que vous avez fait avec Ginola, Fernandez. C'est cette opération Faites-nous confiance. Basile Boli, Laurent Blanc. Et Basile Boli, voilà, Laurent Blanc. Qui consiste à vendre des t-shirts à l'effigie de chaque joueur, qui seront en vente dans les grandes surfaces. Hein. J'ai celui d'Eric Cantona et je le garde. Ou vente par correspondance. Non, il faut l'acheter. Ah oui, ben je l'achète alors, oui. Et alors, on peut se les procurer par correspondance au 16 1 46 04 96 25. De toute façon, ça s'affiche. Il n'y a pas de d'accord. problème. 16 1 46 04 96 25. Et l'intégralité des royalties sera reversée aux associations suivantes. Resto du cœur. Association de 7 à 97 ans, si je dis une bêtise, vous me dites. L'hôpital Robert Debré, et puis pour les enfants atteints du sida, et puis l'ARC, et l'UNICEF, etc. Voilà, donc plus vous serez nombreux, évidemment, à acheter ces t-shirts, plus la somme sera grosse à partager, et plus chacun en aura. Donc absolument. Évidemment, ça vaut le coup. On a dit qu'il y avait combien de pilotes? 5 joueurs. 5 joueurs. 24 joueurs, un ancien joueur, un qui joue de temps en temps. Cantona, Ginola, Fernandez, Boli. Luis Fernandez, qui est un très bon entraîneur. Voilà. Vous vous souvenez d'une chanson? Vous deviez tout comme ça, hein? Allez les Verts. Ah ouais. Hein? Allez, les Verts. Allez. Ouais, je me rappelle de cette vidéo. Allez, les Verts. Qui c'est les plus forts, évidemment? Ah, ben voilà. Ouais. Messieurs Charlie Lulu.
nous échauffer. Tous en cœur nous chantons. On est les rois du ballon. Allez, qui c'est plus fort évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez, allez, allez. Qui c'est plus fort évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez. C'est les plus forts évidemment, c'est les Verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez, allez, allez. Magnifique, hein, magnifique. Charlie Hulu, qu'on retrouvera tout à l'heure. Oui, dans d'autres costumes. En d'autres circonstances. Inutile de préciser évidemment que c'était une version jazz, n'est-ce pas, les garçons, donc de les Verts. Formidable, bel effort. Ah ouais, ouais. Hein, oh ben on va parler maintenant un peu de peinture. On n'a pas parlé peinture. Ah ben voilà. Voilà. Ouais. Alors, on va y aller. On n'a pas parlé peinture. Vous avez un métier passionnant, sportif et artistique, enfin sportif surtout, qui est le football, et vous avez une passion à côté de ça, qui est donc un deuxième élément de votre vie, qui est la peinture, c'est ça? Ouais. Voilà. Bon, et non. Vous êtes plutôt quoi? Qu'est-ce que vous préférez faire? C'est un peu tout. On parlait de rêves tout à l'heure. C'est un peu tous ces rêves. Quoi. C'est un peu du surréalisme. Mais bon, de toute façon, c'est bidon. Hein. C'est bidon. C'est fait pour me satisfaire moi. Comme mon unique style est de me satisfaire. Quoi, voilà. C'est déjà pas mal, je trouve. Enfin, ouais. Exprimer son soi. Absolument. C'est l'essentiel. Tout artiste essaie de se satisfaire. Et puis il y a ceux qui ont plus ou moins dedans. Quoi. Voilà. Et ceux qui plaisent de plus ou moins. Quoi. Si moi, en plus ça plaît aux autres, je me satisfais. Un jour, vous exposerez tout ça ou pas? Non. Non. Sûr? Non. Non, parce que j'ai trop peur qu'on me fasse exposer pour mon oncle, quoi, et voilà, quoi. Sous un pseudonyme? J'aime pas trop ça. Sous un pseudonyme? Un pseudonyme. Ah oui, mais enfin, faut signer sur la toile. Il faut aller se présenter, vernissage, machin, essayer là, quoi. Ça serait pas mal. Bon. En tout cas, on va parler peinture. On va prendre deux Anglaises qui sont pas loin de Manchester. Ouais, et qui sont pas loin d'être... un petit peu aussi, ouais. Et qui vont venir avec nous, et on va peindre peut-être de manière un peu différente de la vôtre. Allons-y, mesdames, messieurs, voici les sœurs Bormann, allons-y. Alors, elles vont descendre tout doucement. Hop. Merci. On n'entend pas la musique. Descend, hein. Peace and love. Ah, il n'y a pas de musique. Comme ça, ça c'est beaucoup mieux. Oui. Peace and love. Et l'amour. Peace and love. L'amour. Peace and love. Excusez-les, Eric, elles ne savent pas ce qu'elles font. Venez les garçons. Allez, on va les rejoindre. Venez avec nous rejoindre. Oui. Allez-y, Eric. Prenez votre micro. Est-ce qu'on va être un peu New Age, là, je crois? Ouais. Oh, les chers garçons. Oh, super. Alors, ça va? Il y a un gars de trop. Hein. Ah. Non, mais c'est pas grave, non. on partage. Ah. Ouais, super. Cool, Eric. Et pourquoi vous êtes comme c'est ça, là? Oui, pourquoi? Alors, de quoi on nous parle? Alors, parce que nous sommes là pour partager une expérience cosmique avec vous, les garçons. Oh, une expérience cosmique. Venez plus proche. Alors, on est venu d'Angleterre, Christophe. Je sais pas, oui, c'est en ça, oui. C'est complètement cosmique. Oh, on va partager, Eric, vous aussi, quasiment happening. On est tous très cosmiques. Un happening de peinture. Un happening de peinture. Mais avant de partir, prends les mains. Mais on est obligé de boire ou fumer quelque chose avant? Non, 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 c'est bien. Payer normalement. On se met dans l'état toute seule en faisant... Et puis je me remène. Bis, ça nous met dans un état extraordinaire. Vers la happening. Bis, bis. Bis, mais quoi, bis? Parce que c'est un truc qui vient de le fond de son âme. C'est un cri intérieur. Alors, pendant que vous vous mettez, vous protège-corps. Qu'est-ce qu'on se met? Oui. Ah oui, on va se mettre des protège-corps. C'est ici. Protège-corps. Ah oui, d'accord, c'est là. Oui, bien sûr. Voilà, Eric. Moi, pendant que vous faites ça. Ah oui, il est grand, hein. Je vais. Il est grand et beau. Ah ben il est cosmique. Et il est très cosmique, oui. Je sens bien, parce que je sens bien que il va se déchaîner dans sa petite Il va se déchaîner dans sa petite tenue blanche. Attendez. Eh ben dis donc, il va pas regretter d'être venu, Cantona. On va faire un tableau ensemble, comme une thérapie de groupe. Ok, d'accord, je vais mettre maintenue. Une thérapie de groupe extraordinaire. Les chapeaux. Je vais... Ça, c'est pour débarrasser de toutes vos égrations, pour sentir bien l'amour au fond de vous. Nos égrations.
Voilà. Et on prend. Voilà. Non, je commence chapeau. Parce qu'on peut faire. Ça va très bien, Eric. Il faut protéger les pieds, je crois aussi. Hein. Ça vous va très très bien. Hein. Permettez, fermeture. Un petit chapeau, Christophe. Ah oui. Voilà. Oh, que. Ah, vous oui. êtes beau comme ça. Ah, attends, oui. attends. Plutôt comme ça. Ah, oui. On protège pieds, on protège pieds, voilà. Christophe. C'est protégez vos pieds, on ne sait jamais. Alors, nous, prenez, Eric. Ah. Protégez vos pieds, Christophe. Un petit nous en prend. Ah. Les ballons. Ah. Christophe, je t'en prie. Oui. Prends un fou. Prenez. Oui, je prends. Le ballon. Oui, attention. Je prends le ballon. Attention, Eric. Mettez ça autour des pieds, Christophe. Alors, je vous montre ce que vous allez faire avec vos ballons. On va vous montrer. Ah oui. Oui. On va prendre la peinture, on va sauter bien. J'ai pas les protections aujourd'hui. On va sauter avec ça. J'ai pas mes protections aujourd'hui. Tiens, allez voir. Vous trempez vos ballons dans la peinture et puis avec un mouvement sensuel. Oh, oui. Vous peignez. Oui. Oh là là. On a bien fait d'être en Angleterre, mais c'est pour faire ambiancier, oui. Venez, venez. Et elle vient d'Angleterre, elle fait un voyage, hein. Partagez avec nous. Oui, on va pas... Eric, Patrice, allez, Christophe, oui. Partagez le moment avec oui, nous. Oui, mais partageons le moment. Venez. On patine un peu, hein. Allez-y. What? Oh oui. Oh oui. Oh, je le sens bien. Oh là là. Attends, oui. Et oui, il a raison. Ah. Les mains. Alors. Mais on va s'en mettre plein les mains. Oh, les mains. Mais non, pas les mains. Oh là là. Mais elle me fait peur, moi, elle me fait peur. Trompez les ballons, Christophe. Oh. Regardez. Oh, mais Eric. 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 Bravo. Oui. Ouais. Oh, oui. Ouais. Eric. Devant oui. nous. Devant nous. Oh, oui. Oh là là. Oh, oh, oh. Et après, je prenais Eric. Et moi, j'ai fait un rond. Alors, oh, Patrice, ça fait plein de cribouillages. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Mais ça appartient à la thérapie de groupe. Ah oui, thérapie de groupe, oui. Maintenant, ah oui. On va totalement cintré. Allez-y. Bien sûr. On va partager. Il ne faut pas les contrarier, hein. Est-ce que je peux avoir un peu de jaune? Allez-y. Top. Ah. J'y ai donné un coup de pied au cul. Eric. Puis-je, Christophe, oui. te caresser est-ce avec que vous voulez partager une thérapie de groupe? Partager un pinceau avec je... moi, cher. Oui, oui, je peux partager Venez. Un pinceau. Eric est en main, les gars, c'est oui, bon. Ça y est. Venez, partagez avec moi. Je oh, l'ai oui. fait. Oh, oui. Je l'ai touché. Oh, oui. Eric Cantona avec des mains. Oh, voilà. oh c'est bien. Oh, oui. Oh, on débarrasse les agressions. Oh, les agressions. Eric, oh, débarrasse oh. les agressions. C'est vrai, les agressions. C'est oui. formidable. Faut pas se jouer. C'est pas mal, cela dit. Vous voyez comme c'est une apnée. Et Patrice, c'est pas mal, cela dit. Ça fait du bien, c'est des contrats. Mais je sens que Eric est vraiment Eric, dans son... Eric, c'est dans son vrai Eric, fond. C'est ah bah ouais. extrême. Ah, mais il a trouvé un pinceau. Chut. Vas-y. Alors, laisse-toi parler. Laisse-toi parler. Vas-y. Eric. Hé, hey, remarque, ouais. c'est le seul qui a fait un truc qui est regardable, hein, je vous signale. Mais attendez, c'est pas fini. Si. Ah ben, ouais, j'ai pas compris si. Où on allait. Est-ce que vous pouvez mettre oui. Eric, ouh, Eric, votre ouh. Main, votre main sur ça. Allez-y. Oh, où sa main? Là, il a fait un petit point avec le. Ah, venez. Tac. Oh, vous avez la main bleue maintenant. Ouais. Et maintenant, Eric. C'est un Smurf maintenant. Un Smurf. Au revoir, Ch'troupino. Au revoir, les gars. Peace au revoir, Zouroubidou. Peace and love. Et puis, peace bonne continuation à la belle. Appelle tout de suite, on j'appelle. Merci. Au revoir. Appelle la police. Au revoir. Appelle la police. Au revoir. Au revoir. On va envoyer la publicité. Eric, la publicité. Voilà la publicité. Eh ben voilà. La publicité. Voilà la publicité. Voilà. Et nous voici, mesdames, messieurs, de retour au centre de la Maison de la Radio avec Eric Cantona, notre invité de ce soir. On s'est lavé les mains à peu près. Sauf qui, à votre avis? Sauf je me suis lavé les mains, mais je n'ai pas réussi à tout enlever. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Alors, Patrice, nous allons faire un télécrochet. Télécrochet. Vous êtes président du jury ce soir, Eric Cantona. Président Eric. Je vous appelle président tout court. C'est quoi ça c'est...
Vous allez être président du jury. C'est important. Très important. Parce le jury est composé des 600 personnes qui sont assises ici. Et qui vont... Vous savez, il y a ceux qui vivent debout et puis ceux qui vivent assis. Quoi. Ouais. Les juges vivent assis, mais il faut vivre debout. Ouais. On va se lever. J'ai pas mon micro. D'ailleurs, il est dehors. Très bien, parce qu'on va sortir tout à l'heure, donc gardez votre petite plaine pour l'instant. Non, on va se lever tout à l'heure, mais bon, on va écouter Assisa. 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 Nous allons écouter Assisa. Pas n'importe quoi, parce qu'on a essayé de sélectionner des chansons que vous aimez beaucoup. Normalement, vous devez. Alors, premier candidat ou premier... Oh là là. Premier... Allons-y. Bonsoir. Allons-y, bonsoir. Quel est votre prénom? Bonsoir Fabienne. Bonsoir Christophe, bonsoir Patrice, bonsoir Eric. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Fabienne? Je vous appelle de Goutts, à côté de Tartas, dans les Landes. Ah. Qu'allez-vous nous interpréter? Non, je ne regrette rien de Edith Piaf. Est-ce que vous aimez? Oui. Oui. Vous avez quel âge Fabienne? Quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans. Fabienne, nous vous écoutons et c'est pas facile. Enfin, ça va non. Pas. La présidente du jury, bien président sûr. D'abord. Alors, président d'abord. Un applaudimètre fort nourri. Président. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Hein. Parfait, c'est beaucoup. Parfait. Non, j'ai trouvé ça parfait. Sans musique, sans rien, comme ça, à cappella, c'est... Dis donc, Fabienne. Maintenant, je me retourne vers Maître Fougnas. Ouh là là. Neuf. Sur 10, hein. 9 sur 10. Ah, sur 10. Non, non, le public la donne. Vous donnez votre appréciation sincère. Maître Fougnas évalue la note en fonction de votre appréciation et de l'applaudimètre. Oui. Alors dites-moi, Fabienne, ça va être dur à battre, 9. Hein. Ah, bon, ben on va voir alors. Bougez pas. On va surtout écouter. Quel est votre prénom, nouveau candidat, nouvelle candidate? Bonsoir. Oui, bonsoir. Encore une fille. Quel est votre prénom? Muriel. Bonsoir, Muriel, comme bonsoir. Ma mère. Quel âge avez-vous? 23 ans. 23 ans, comme ma mère. Alors. Ah, bon. Muriel, qu'allez-vous nous interpréter? Eh bien, je chante Joe le taxi. On vous écoute. Bah, évidemment, il y a beaucoup moins d'entrain. Joe parce que... le taxi, va pas partout, marche pas au soda. Son saxo jaune connaît toutes les rues par cœur. Tous les petits bars, tous les coins noirs. Et la Seine, et ses ponts qui brillent dans sa caisse. La musique à Joe, c'est la rumba, le vieux rock au mambo. Joe le taxi, c'est sa vie, le rhum au mambo, embouteillage, il est comme ça, rhum et mambo. Bravo. Oui. On n'avait pas vu que c'était la fin tout à fait. Ah. Ouais. 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 Président, alors la sincérité qui vous caractérise tout, hein. Ouais. Non, elle chante bien la fille, mais c'est... Muriel. C'est-à-dire que si vous écoutez Vanessa Paradis comme ça, vous achetez pas le disque, quoi. Mais si vous la voyez à poil, vous achetez le disque, quoi. Vous voyez ? Il faudrait la voir, la demoiselle, faire un peu de striptease, peut-être que j'aurais mis une bonne note. Ah, dites donc, non, mais attends, le président juge aussi sur l'égalité physique de la personne. Esthétique. 6 points. Ah, 6. 6 points. 6 points. Non, mais... Ah, le taxi. Non. 6, oui, Maître Fougnas. Monte un peu, quoi. 6,5. 7. Maître Fougnas, 7. Attends. Comme je te dois. Vas-y, ce que tu veux. Allez, 7. Et ils sont très potes avec l'huissier, il arrête pas de le tutoyer et tout ça. Ayons. Je savais pas Maître Fougnas que vous connaissiez, Monsieur Cantona. Tiens, Jardin, non? Tiens, Jardin? C'est bon.
Canopel. Bon. Alors. Muriel, c'est pas qu'on est dans la mouise, mais enfin, vous avez que 6 et demi. Oui, c'est pas gagné. Ah, je croyais que c'était 7. 7. Bon, enfin, c'est perdu quand même. Oui, oui. Parce qu'il y a 9 pour Fabienne. Ne bougez pas quand même, Muriel. Nous allons prendre un troisième candidat ou une fille, on ne sait pas. Bonsoir, votre vrai nom. Françoise. Françoise, beaucoup de femmes ce soir, hein. Ah ouais. Ouais, ouais. D'où nous appelez-vous, Françoise ? De Semur-en-Auxois. Semur-en-Auxois. Magnifique région, s'il en est. T'en fais, c'est mal assuré, Numéa des Fronces. Alors, Françoise, quel âge avez-vous ? 46 ans. 46 ans ? Ah, là, on ne prend pas. Excusez-nous, au revoir. Alors, attention, Françoise, de Semur-en-Auxois, dans le 21. 21. 21. Alors, 21. Une chanson de Jacques Brel. Quand on a que l'amour. Quand on a que l'amour. Et avec un petit arrangement. 10. Merci, bravo. Bravo, merci. Vous avez gagné le filet dernier, Françoise. Non, non, on plaisante. Non. Vous n'avez pas dit un petit mot, Eric Cantona, qui est à côté de moi. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Je vais vous chanter donc un petit arrangement à ma façon. C'est Quand on a que l'amour, donc de Jacques Brel. C'est ça. On y va. Françoise. Allez, Françoise, allez. Quand on a vous, Eric, être peintre et artiste, être joueur de football, être acteur de tout rôle. Quand on a votre amour, il n'est plus à Marseille, et malgré le soleil, il nous revient toujours. Quand on a vous, Eric, pour unique raison, cette unique chanson. Ah oui, c'est joli. C'est un hommage. Maître Fougnat, je demande d'abord l'avis du président. Président. Non, si ça pouvait être vrai, tout ça. Maximum. Alors, il y a eu quand même un très, très gros applaudissement. Je regarde Maître Fougnat. Maître Fougnat. Ah bah, ça a été la plus applaudie, c'est évident. 9 à égalité ? Mais comment on va faire ? 2 filets garnis ? Il y a 1 filet garni, on va le couper en 2 ? On va couper en 2 filets garnis ? Ah, il y avait des tomates. Il y a 3 possibilités. Chacun une anse. Comment ? Chacun une anse. Comment ? Chacun une anse du panier. Oui, allez, on peut le couper en 2. Ah non, pas couper. Ils ont dit chacun. Non, vous avez raison, on va pas le couper en 2. On va tout donner à l'autre. Si vous voulez pas qu'on coupe en deux. Si vous voulez pas qu'on coupe en deux, on donne tout à Fabienne. Vous me donnez le filet et elle prend les trous. Dis donc. Oh. Ah bah alors attends. Bougez pas. Eh ben, est-ce que vous prenez mon avis ou pas bouger? À mon avis. Ouais. À mon avis, elle a essayé de faire des paroles pour me plaire, cette dame. Ah oui. Parce... Mais ce que j'aime moins, c'est de ne pas partager comme ça, quoi. Ouais. Vous êtes à égalité avec Fabienne. Mm-hmm. Françoise. Mmh. Fabienne, vous êtes là ? Oui, je suis là. Fabienne, vous avez gagné le filet garni aussi. Ça. Pour Fabienne ? Non, pour Françoise. Ça, pour Françoise. Fabienne, bougez pas. Françoise. Dis donc, on n'a pas... Oui, oui. Oui, oui. Allô ? Vous avez gagné un ensemble Panasonic constitué d'un téléviseur Gao 72 cm. Génial. Ah, oui. Et vous avez gagné également un magnétoscope Superdrive 4 têtes IFI stéréo avec ShowView intégré. Très, très bien. Très, très bien. Donc, qu'est-ce que vous préférez donner à Françoise ? La télévision ou le magnétoscope ? Hein ? Le magnétoscope ? Magnétoscope. Une télé qui est franquignole, là, qui est pas... D'accord. Donc vous gardez l'ensemble Panasonic constitué d'un téléviseur Gao 72 cm. Nous vous applaudissons. Fabienne, vous avez donc gagné, grâce à Françoise, un magnétoscope Superdrive 4 têtes IFI stéréo avec ShowView intégré. Fabienne ? C'est la première, Fabienne ? Ouais. Oui. Mais Fabienne, ça n'est pas tout. Moi, j'aurais fait choisir Fabienne en premier. Oui, maintenant, parce que regarde, Fabienne, regardez ça. Ah, voilà. Ouais. Ça, c'est pour aller vous voir. Ah, oui. Ah, oui, oui. Bah, dites-le. Je sais pas, c'est quoi ? Voilà. nous vous offrons en plus un séjour d'une semaine pour 2 personnes à Londres. Vous voyagerez sur la compagnie Air UK, United Kingdom, et serez hébergé à White House Hotel, 4 étoiles, du groupe Abella. Près de Regent's Park.
En plein cœur de Londres. En plein cœur de Londres. En plein cœur de Londres. Je vois que votre anglais s'est perfectionné quand même. On sent que ça bosse, hein. L'anglais de Pagnol. Oui, c'est ça. Thank you. Vous êtes ah bah vous aussi, Fabienne. Vous êtes contente? Oui, je suis très contente. Une semaine à Londres, dites donc. Je vous remercie beaucoup et je vous embrasse à tous. Et nous aussi, on vous embrasse à vous. Oui, je vous fais mes meilleurs vœux pour l'année 94. Et nous aussi, bonne année. Bonne année, merci Fabienne. Beaucoup. Au revoir, applaudissements pour cette jeune femme, pour Eric Cantona et pour tout le monde. Alors maintenant, attention, mesdames, messieurs, maintenant, nous allons vous quitter quelques instants. Faut qu'on enlève les vestes. Pas vous. Tombez la veste. Enlevez la veste. Mettez le maillot tombe qui la vous veste. Est attribué. Ce qu'on va faire du jockey ball. De quoi s'agit-il? Jockey ball, c'est un petit... Alors, il faut déjà expliquer au public ici présent que malheureusement, nous allons les quitter quelques instants. Oui. Et nous allons reviendre juste après derrière. Le jockey ball, si on peut résumer, c'est au football ce que le squash est au tennis. C'est-à-dire que c'est un petit terrain. Un petit terrain. Un petit terrain. C'est dans un espace qui est une sorte d'aquarium, clos. Et ça se joue à 2 contre 2, avec des règles un petit peu différentes, puisque, en principe, le défenseur n'a pas le droit de monter, etc. C'est des petits buts. À 2 contre 2, je vous propose qu'on y aille, on verra mieux sur place. Ça vous va très bien, ce petit maillot? Bah oui, moi je suis... C'est touché ma bosse, monseigneur. Allez. Très bien. Applaudissements pour Patrice. Bien sûr. On revient, hein. Allez, Eric. On n'est pas obligé de speeder comme des fous, on peut y aller délicatement, ça va. On va arriver crevé. Ça va. Oh, pardon, hop, je me mets en... Excuse-moi, je me mets en forme. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous allons donc expliquer immédiatement, alors, Patrice. Donc, nous allons jouer à ce jockey ball. Il faut remercier M. Ribley qui nous a prêté ce jeu. Vous connaissez donc, ça, Eric, ou pas? Non. Qui est donc un jeu de football pour jouer à l'intérieur, pendant l'hiver notamment. Et c'est une petite surface qu'on peut avoir dans des clubs comme ça qui permet de s'entraîner. On va rejoindre Charlie qui est arbitre. Lulu, et Lulu qui est joueur. Qui est joueur et qui est, très joueur, attention. Qui est mon coéquipier. C'est un petit attention ballon. Attention que ça peine. Oh là là, c'est un tout petit ballon. C'est un tout petit ballon. Mais qui est... Mais pas mal. Vous ne connaissez pas ça, Eric? Non. Charlie, Lulu, Eric, c'est l'arbitre. Allez-y. Non, les filles d'abord. Allez-y. Merci. Pardon. Alors, ça se joue à... Comment on fait? Ça se joue à 2 contre 2. En principe, le défenseur n'a pas le droit de passer la ligne médiane. Exact. Il y a un défenseur et un attaquant. Le défenseur n'a pas le droit de passer la ligne médiane. C'est exact. Et puis après, on marque les buts comme on veut. Non, et on n'a pas le droit de franchir... Cette zone-là. Et on peut se mettre quand même des... Non. Et on engage ici. Parce on engage derrière la zone, hein, c'est ça? Ça va. Faut engager derrière la zone, au coup de sifflet d'arbitre, alors, c'est comme vous voulez. Je vais jouer derrière. Moi, non. Si. Non, c'est vous attends. Qui attaquez. Attends, on changera bon. Allez, vous êtes prêts? Bah oui. C'est l'arbitre, vous sifflez? Oui, recule un petit peu. Là. Vous avez pas le carton rouge? Allez, si. Est-ce que vous sifflez l'arbitre ou pas? Mais non. Vas-y, allez. Ah, dis donc, il... Ah oui, vous avez... Il a pénétré la zone, là. Alors... Va-tu Ouais. Oh, les vaches. 1-0. À vous d'engager. Pourquoi? On a marqué? Oui, non, c'est à vous d'engager. Sur la ligne, s'il vous plaît. La balle sur la ligne, c'est parti. Non, sur la ligne. Ah bon? Sur la ligne, monsieur le cheval. Sifflez, s'il vous plaît. Ouais, l'arbitre. Et là, il faut que ça passe la balle médiane. Ah bon? Tiens. Ouais, c'est parti. Hop. Ah, c'est attaqué. Oh, la main! Oh, la main! L'arbitre! J'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai pas vu. T'arrives. Oh la vache, c'est rien. On va te verrer. Oh, shit! Pas le droit de mettre la main. Oh, vas-y! Oh. Ok, bien. Voilà. C'est bon, hein. Ouais, c'était. Il faut remercier Monsieur Ribley qui nous a prêté. Merci Monsieur Ribley. Merci l'arbitre. Bravo. Allez. Tiens, merci l'arbitre. On va retourner. Vite pour dire au revoir. Bon, on va dire au revoir sur le public. Oui, absolument. On refile vite pour dire au revoir là-bas, au public. Dans le studio. Sur le plateau. Si on peut sortir. Allez. Merci. Ouf. Allez. Pardon. Attention Patrice. Eric, salut les gars. Salut. Allons-y. Salut. Allez. Dis donc, fait une chaleur dans ce truc.
Bah, oui, c'est un peu comme le squash. Pas mal sur le dit comité, Eric. Ah oui. Ah ouais. Bonne idée. Le petit foot pour les jeunes, pour s'entraîner. Le petit foot, genre sur l'âge, non? Pas mal. Je suis devant. Oh, vache. Et plus c'est petit, plus c'est de passion. Oh, ouais. Bien sûr. On peut le déjà, bah oui. Merci de cet accueil, donc intéressant comme jeu. Ah ouais. Hein? En plus c'est petit, en plus on a envie de gagner, en plus c'est dur. En plus c'est dur. C'est ouais. Dur physiquement. Et c'est fatigant. Ouais, c'est plus ouais, j'ai du mal. Ça ressemble un peu ouais, au... Il a plein de formules. Moi, je physiquement, c'est le même que le squat. Oui, comme ça, allez. Voilà, je vous rappelle qu'Eric Cantona a écrit un rêve modeste et fou, que voilà, paru chez Robert Laffont. Et si vous voulez tout savoir de lui, presque, il y en a beaucoup dans ce livre. Merci Eric Cantona. Merci beaucoup. Ravi d'avoir fait ça avec vous. Passez une bonne nuit, merci. Sortez couverts, soyez prudents. Au revoir demain, Michel Bougenet, à demain.